avec un froid de canard que 5 ans plus tard, je me retrouve dans le village de Progen où je retrouve Jacques Pargade, maire du village. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau dans la commune de Progen. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf dans la commune? Ben, sur la 2016. Sur la commune, voilà, ben, écoutez, on a d'abord, de par la communauté de communes, nous avons, depuis 2016, oui, c'est plus récent, nous avons un PLUI, une maison que vous avez vue là, oui. En construction, j'en ai une qui a été construite l'an dernier, donc tous les ans, il y a quand même un peu de construction, alors on ne va pas se plaindre. Mais c'est pas grâce au PLUI. J'espère que le PLUI m'en amènera un peu plus. Enfin bon, on verra. Pour l'instant, on attend un tout petit peu. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016? Ben, on avait après, comme la plupart des villages, on cherche un peu à embellir le village. Bon, là, on avait un programme d'accessibilité, puisque la plupart des communes, hein, c'est le programme d'accessibilité pour les personnes handicapées. Alors, on avait trois pôles, on avait la mairie, cimetière, église et foyer. Et là, on termine cette année, donc on va terminer ce programme par le foyer. On fait un aménagement de la devanture, puisque bon, ça fait pour changer un peu le style du foyer, qui ressemble plus à un bâtiment tout en long. Et là, on va casser cette ligne par un auvent assez important, qui desservira deux entrées principales en façade. Et on aménage tout le parvis, avec... Des allées pour les personnes handicapées, voilà ça c'est l'investissement majeur un peu cette année. Et pour les objectifs à venir pour les objectifs à venir, après bon, on a un très joli parking là, en fait très joli, une place immense mais un peu désertique parce qu'elle n'est pas aménagée depuis, je crois que ça s'était fait il y a des lustres, ce parking, ça avait été fait par des prédécesseurs, mais dans les années 50 ou 60. Et depuis, il ne s'est jamais rien fait. Alors, je pense que quand on aura terminé le foyer et tout, on s'attaquera au fond. Très bien. Au parking, ça sera un peu le projet d'avenir. Oui, bon, l'objectif, quand vous parlez de philosophie, en fait, notre philosophie, c'est ça toujours. Enfin, moi, la mienne, ça a toujours été de faire en sorte que la commune soit attractive, ce truc, parce que j'ai toujours voulu essayer d'accueillir des habitants et de faire en sorte que Progen, un peu plus, croisse un peu dans ses habitants. Ben quand je reviendrai dans 5 ans pour une nouvelle ronde de village, j'espère que voilà. J'aurai atteint les 200 habitants. Allez. Peut-être, on peut faire un pari. Là. Mais merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie, c'est avec plaisir. À bientôt. Et vous serez toujours les bienvenus à Progen. Merci beaucoup.